Salut les gens, c'est Yves pour C'est bien d'être bien. Ah, voilà, comme beaucoup d'entre vous le savent, je me suis lancé un challenge pour la fin de l'année, c'est-à-dire faire 1000 burpees dans un minimum de temps. Là, j'arrive aux 130. Je fais des petites séries de 10 avec quelques secondes de pause et d'hydratation entre chaque série. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà en train de transpirer. Mais ça promet pour les 870 restantes. J'ai peut-être un peu calmé le rythme, parce que là je suis à 17 minutes pour 130. C'est un peu plus rapide que ce que je voulais faire à l'origine. Je viens d'arriver aux 250, un quart de fait, en 35 minutes. J'ai 20-25 minutes d'avance sur mon programme. J'arrive à 1 heure, un petit peu moins d'une heure, 57 minutes. Et j'en ai fait 380. J'avoue que c'est dur. Je m'attendais à ce que ce soit dur, mais un petit peu plus tard. Ouh, là, je suis à 490. Encore 10 pour arriver aux 500. Je suis à 1h15 à peu près. Bon bah voilà, c'est parti pour les 10 dernières avant les 500. Ouh, pour arriver à 500 du moins. On arrive aux 750. Plus que 250 à faire. J'en suis à moins de 2 heures. Je suis plutôt content sur le rythme. Je vais sûrement finir en moins de 3. Ce qui était mon objectif. Mais quand je me disais que je pouvais faire 3h30 à 4 heures, si jamais ça allait pas. Les épaules, elles commencent bien à piquer. Le cardio, il a du mal à redescendre, normal. Et un petit détail, c'est les poignets. Ça pique. Il me reste plus que 150 à faire. Et là, j'avoue, j'en chie. C'est assez violent. Cardio, il ne veut plus redescendre, mais il pose un peu plus longue. Les séries de 10, les épaules, là, commencent à fumer dès la cinquième. Et du coup, même sur des séries de 10, on est obligé de faire des petites pauses. Bon, les gens, il ne reste plus que 50 à faire. Une dernière ligne droite. J'ai l'impression que c'est comme sur des courses trail ou sur route, là, le dernier sprint. Qu'on a un peu plus et qu'on doit tout donner. Je vais essayer de faire ça les 50 en moins de 10 minutes. C'est pas gagné. Et je vais y arriver. En moins de 3 heures en tout, je serai content. Voilà, je me suis fait le dernier. C'est le dernier sprint. Allez, c'est parti. Maintenant, j'ai le droit de décéder. Bon, bah voilà, c'est fait. Les 1000 burpees cet après-midi. Que dire ? C'était dur, pas facile. Beau challenge mental, physique. Je m'attendais pas à quelques petites douleurs, genre au poignet, au genou aussi, ce qui frotte par terre à force. Mais bon, c'était sympa. Bien cardio, bien dynamique. Petit conseil quand même, si jamais vous voulez le faire, évitez les séries trop longues, genre des séries de 20, 30, 40 ou 50. Et ça va vous épuiser, il faudra plusieurs minutes pour récupérer votre souffle. Et musculairement. Donc je préconise maintenant plutôt les séries de 5 à 10 maximum. Et une fois que vous êtes en forme, vous en faites une de 20. Puis après, vous reprenez les séries de 5-10. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au compte final 2000. Si jamais vous avez des nouveaux défis, n'hésitez pas à les mettre là, juste en dessous dans vos commentaires. Ce serait sympa, on essaiera de les réaliser si c'est possible. Si vous me faites un challenge sans traction, faut déjà oublier parce que c'est vraiment pas mon fort. Mais bon, d'autres challenges burpees for time, d'autres challenges... je ne sais pas, peut-être pour Julien, des petits challenges de course, des sprints, de la distance, des montées d'escalier aussi, ça peut être marrant. N'importe. À vous d'imaginer, on verra bien ce qu'on pourra en faire. Ciao les gens, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Rejoins les brous de touffe qui sont partis avec nous ce matin. Ils ont plus que deux ou trois. Il est pas les deux, l'autre il est mort. Il y en a un qui est mort, crampe dans les jambes et tout. C'est et...